Je me souviens encore de la vie avant la guerre. Je me souviens que nous étions différents, que nous vivions là-haut, à la surface. Le monde entier nous appartenait. Nous bâtissions d'immenses cités de verre et d'acier. Nous traversions les océans comme bon nous semblait, et nous avions même conquis le ciel. Nous étions 7 milliards. Nous ne sommes pas nés pour vivre dans des tunnels. Je suis né pour respirer de l'air frais, et je m'en souviens. Les 7 milliards ont été anéantis par la dernière guerre. Seules 50 000 personnes ont réussi à survivre sous terre. La surface est irradiée, brûlée et peuplée de monstres. Un jour, les radiations à la surface vont peut-être se dissiper, et nos petits-enfants ou leurs petits-enfants pourront alors retourner y vivre. Du moins, c'est ce que croient mes frères d'armes de l'Ordre. Dès le début, nous n'avions aucune chance. Mais nous, les humains, ne nous avouons jamais vaincus. Nous avons fait du mieux que nous pouvions. Nous nous sommes regroupés et avons travaillé ensemble pour faire du métro notre nouveau foyer. Après tout, ça pourrait bien être le seul endroit sur Terre où les humains puissent encore vivre. Pendant un temps, nous avons pensé pouvoir y arriver. Mais, malheureusement, la guerre n'a pas tué nos mauvaises habitudes. Dans les tunnels, qui nous procuraient une sécurité relative, la corruption se répandait. Et lorsque le danger venait d'au-dessus, seuls certains d'entre nous s'y opposaient. Et nos nombres diminuaient chaque jour. Je me souviens que nous sommes nés pour une vie meilleure. Et je refuse de vieillir et de mourir sous terre. Peu importe qu'on me traite d'idiot, mais s'il reste la moindre trace de l'ancien monde là-haut, il faut que je la retrouve. Il le faut. Entre des années d'une existence désespérée et une brève lueur d'espoir, je dois choisir l'espoir. Je dois trouver ce signal. Cela fait des années que personne n'a rien entendu d'autre que des parasites et du bruit blanc à la radio. Alors comment imaginer que nous ne sommes pas seuls sur cette terre ? Ma femme, mes camarades de l'Ordre, mes amis, les habitants de ma station, personne ne me croit. Ils sont persuadés qu'il n'y a rien sur les ondes, bien sûr. Qu'à part nous qui nous cachons dans le métro de Moscou, la dernière guerre n'a laissé aucun survivant. Nous sommes seuls sur cette planète, et dans le métro, c'est une vérité bien établie. Mais moi, j'ai entendu cet appel à la radio de mes propres oreilles. C'est vrai qu'il a immédiatement été coupé par les parasites, mais je l'ai bel et bien entendu. Ce qui veut dire que quelque part, sous ce même ciel, il reste un endroit habitable. Nous ne sommes pas condamnés à rester sous terre jusqu'à la fin de nos jours. Mais, si personne ne me croit...
Oh. Thank you.
reste avec nous. Ils reviennent. Écoutez-moi. Le héros. Pourquoi la lumière? Bouge de là. Il fait nuit à la station. T'en fais pas, j'ai prévenu. D'accord, d'accord. Il ouvre. En avant. On va où là? À gauche, on traverse la place. Dis Damir, tu crois que le colonel sait ce qu'Artyom fabrique? Comment tu veux que je le sache? Je le vois toi-même, il a appelé le concert, il a dit qu'il arrivait demain. Hé, hey, vous, laissez-le tranquille. Je l'ai tué moi-même avec mon lance-pierre. Bah, laisse, faut bien qu'il apprenne à se défendre. Sinon, comment il pourrait survivre dans mes faux? Un bout de temps. Tiens le coup, Artyom. Une dose de sang spartiate tout frais arrive. Tu es réveillé? Tout va bien. Le docteur n'est pas inquiet pour toi. Tu essaies de me faire mourir d'inquiétude. Et si tu ne reviens pas de la surface la prochaine fois? Il n'y a personne d'autre, Artyom. Personne à trouver, personne à qui parler. S'il y en avait, tu ne crois pas qu'il serait déjà là? On en a parlé plusieurs fois déjà. Il faut que tu l'acceptes. Il n'y a plus que nous. Colonel! Salut, Alex. Te voilà, crétin entêté! Combien de fois on va devoir avoir cette conversation? J'en ai rien à faire que tu te tues à cause de ton rêve imbécile! Mais tu te rends compte de ce que tu fais subir à ma fille? À ta femme? Papa, je t'en prie. L'ordre est à court d'hommes après la bataille pour D6. Mais toi, tu t'en vas! Tu joues les égoïstes, alors que les gens ici ont besoin de toi! Il faut arrêter les conneries, maintenant! Le métro, c'est tout ce qu'il y a, rien d'autre! Et l'ordre est là pour le défendre! Parce que si nous, on n'est plus là, il reste qui? Tu m'as l'air en état, alors prépare-toi à partir. Après, on discutera de ton transfert pour police. Bien, il faut qu'on parle. J'appelle le docteur. Artyom, s'il te plaît. Tu me promets que c'était la dernière fois. On se voit plus tard. Artyom, on a réussi à te remettre sur pied, mais... les gens te donnent leur sang qui pourrait sauver tellement de blessés. Et à chaque fois, tu nous le rapportes irradié. Tu trouves pas ça un peu injuste? Je vais te dire ça autrement. Je peux pas te promettre que j'arriverai à te sauver la prochaine fois. Heureusement que les Spartiates sont doués. Ils ont ramené Artyom juste à temps. Comme tu dis, je n'arrive pas à me souvenir de la dernière fois où j'ai vu des gens en bonne santé et en forme ici. Moi non plus. Dommage qu'ils passent tellement de temps à la surface. Malheureusement, c'est leur travail. Enfin, travail ou pas, s'ils continuent comme ça. Tu sais, tout le monde ne supporte pas de rester cloîtré ici. Hein? Et pourquoi pas? C'est ce qui nous a permis de rester en vie jusqu'à maintenant. Artyom, essaie de faire un peu plus attention, d'accord? Même si tu trouves d'autres gens dehors, ils ont sans doute des problèmes de leur côté. Alors à quoi ça servirait de les contacter? Et puis je me souviens qu'on recevait des signaux de l'extérieur assez souvent, juste après les bombardements. Mais il n'y en a plus depuis longtemps. Ça ne veut rien dire pour toi? Enfin, c'est ta vie, après tout. Artyom, je comprends ce que tu ressens, mais tu ne vas pas toujours pouvoir sauver le métro à toi tout seul. Pourquoi tu t'acharnes à chercher une solution sans aide? Tes amis de l'ordre sont encore venus à ton secours.
Le colonel a l'air de vouloir te réintégrer. Pourquoi est-ce que tu perds ton temps ici, ou à chercher des fantômes là dehors? Si Spark voulait de moi, je m'engagerais dans la seconde. Enfin, en tout cas, bonne chance, Artyom. Et pourquoi pas? C'est ce qui nous a permis de rester en vie jusqu'à maintenant. Et d'après toi, combien de temps ça va durer? Oncle Artyom, t'inquiète pas, je te crois, moi. Tu m'emmèneras quand t'auras trouvé un endroit sain. Artyom, arrête de lui mettre ses idées dans le crâne. Je ne veux pas qu'il perde la tête comme toi. Il dort plus depuis que tu lui as raconté toutes ces bêtises. C'est censé le réconforter. S'il te plaît, laisse mon fils tranquille. Ils finiront par nous écraser, tout. Évidemment qu'il n'y a nulle part où aller. Peut-être que quelque chose pourrait nous être utile à la surface. Je ne vois pas bien ce qui pourrait valoir la peine de courir de tels risques. Mais qui sait? Peut-être qu'ils ont trouvé des cartes secrètes à D6 qui donnent la position d'une réserve contenant quelque chose qui nous sauvera. J'en sais rien. Ça m'étonnerait qu'une planche de salut nous attende dehors. Qu'est-ce qui aurait pu résister à la surface après toutes ces années? La seule véritable solution, ce serait une évacuation complète. Mais pour aller où? Je ne suis plus dans l'ordre. Je prends mes décisions tout seul. Et pour Artyom... On se suicide tous ici, tranquillement. J'en sais rien. J'en crois pas mes yeux. Artyom, tu vas bien? Bouge de là, Jules. Sacrée trouille. Artyom, comment tu vas, mon pote? T'as l'air en forme à ce que je vois. Excusez-moi, messieurs, faites place. Hé, hey, Artyom. Encore une ou deux cicatrices et plus aucune femme ne te résistera. À ce propos, toujours aussi obsédé. Laissez-le respirer. Bon retour parmi nous. Salut, Artyom. Ok, c'est bon. J'accorde une pause. J'avais 2 heures. Ouais. C'est officiel. J'en étais sûr. Du coup, je vais apporter quelque chose. Et c'est reparti. Essayons de ne pas abuser autant que la dernière fois. Tiens bon, Artyom. Toujours rien? Artyom, tout ce que j'entends, c'est le cliquetis du compteur Gégère. Ah oui, et il y a aussi ces maudites saletés qui croassent sans arrêt. Chérie, rentrons, je t'en prie. Tu ne crois pas que ça me plairait à moi aussi de vivre sur une plage ou dans une belle forêt? Mais à quoi bon rêver dans un monde devenu muet? Muet, Artyom, parce qu'il est mort. On a un peu traîné. Il est temps de changer de filtre. Allez, change de filtre. T'as passé assez de temps à l'infirmerie pour ça. Mon père va me tuer s'il découvre que je suis montée avec toi. Et plutôt 2 fois qu'une s'il apprend qu'on est allé dans un secteur interdit par Hansa. Tu as visité toutes ces ruines?
L'étendue des dégâts. Et Moscou avait la meilleure défense anti-aérienne de tout le pays. Si la ville ressemble à ça, imagine l'état du reste du monde. J'ai dû faire fuir un démon. Il prenait un peu trop ses ailes. Peut-être que tu devrais revenir dans l'ordre. On emménagerait à police. Mon père dit qu'il nous trouvera un appart. Parce que si on n'est plus là, il reste qui ? Un appart, avec une cuisine et une douche. Passons chacun notre tour. C'est pas assez stable. Qu'on est tiré d'affaire. Oh, t'as entendu? C'est une meute. Manquez plus tard. Heureusement que les mutants se détestent entre eux tout autant qu'ils nous détestent. Je vois vraiment pas pourquoi ce secteur est interdit aux stalkers. Les radiations et les monstres n'ont rien d'extraordinaire.
prenait le pont pour traverser la voie ferrée. Ça nous éviterait un détour. Merde, c'est trop haut. Artyom, aide-moi à monter. Vérifiez avant, connard. Artyom, tu n'as rien. Ces gens, ils sont de Hansa, pas de l'ordre. Ces fumiers. Ils t'ont bien amoché. Ah, mon père va leur faire payer ça. Il se passe quoi dans votre tas de ruines? C'est ça, Moscou? C'est ça, Moscou? Vous dites ça comme si vous n'étiez pas d'ici. C'est le cas. Notre village est à 200 km d'ici. Quel village? Vous n'êtes pas de Moscou? Un village ordinaire. On est venu chercher le père du gamin. Il est parti pour Moscou il y a un an et n'est jamais revenu. Mais cela nous a capturés. Alors, il y a de la vie dehors? Pourquoi il n'y en aurait pas? Oui, il y a des endroits dangereux et des tas de monstres partout, mais on s'en sort. Artyom, tu avais raison. Il y a bien des gens dehors. On ne savait pas. On pensait être les seuls survivants. Ah, ça alors? Il faut qu'on prévienne tout le métro! Hé, hey, mais vous nous avez amenés au milieu de nulle part! Ça ne gênera pas! Rendez-leur au moins leur masque! Thank you.
Ces foutues hurleurs sont passées. Les ouvriers sont fichus. Garde ton armoire et tes ouvertures. Quelque chose en forme. Attention, la plaque tournante se met en marche. Jamais ces conneries, ok? Des animaux. Comment ils peuvent? Qu'est-ce que je peux faire? Un mutant, un hurleur! Un humain? Mais on devrait pouvoir passer par derrière. En route, mais doucement. Si jamais tu te fais repérer, on est foutus. Attends. Évite de marcher dans la lumière. Voilà ce qu'on va faire. Tu te glisses jusqu'à la commande d'éclairage pour l'éteindre. Moi, je fais diversion. C'est plus discret. Tu vois cette échelle? Essaie de l'atteindre discrètement. Reste près du mur. Yamat, c'est toi? Qu'est-ce que tu marmonnes? Yamat, aide-moi à réparer ce truc. À vos ordres, j'arrive tout de suite. Allez, allez, on va pouvoir réparer ça les bonnes rentrées. Qu'est-ce qui se prend si longtemps? Là, mon lancer s'est défait. J'arrive. Mais, Stuart Michaelis, il y a une panne au niveau des générateurs. En sécurité ici. On se rend bien. Attends. Tu vas devoir t'occuper de lui. Tu peux le faire en silence. Quoi aux ouvriers qu'ils ont envoyés pour réparer? Ça te regarde pas, c'est de rien. Qu'est-ce que tu fais? T'as pas les parents? Ça sentir le sapin, hein? Ouais, la vieillesse est un naufrage. Maintenant, jette-la!
J'espère que le bruit va attirer son attention. Ici. Il faut qu'on sorte de là avant qu'il récupère. Les gardes, traversez la cour discrètement et prenez la porte où passent les gardes. Par ici, vite. Allons-y. Qui êtes-vous? Andrei Ivanovitch Yermak, le conducteur du train. Filez, atteignez le hangar. Et si tout va bien, je vous sortirai d'ici. Ils me connaissent. Je pourrais circuler facilement. J'ai eu... Je te raconterai plus tard. J'espère. Soyez prudents. Artyom, je vois l'ennemi. Donne-moi un coup de main. On n'y voit pas grand-chose avec cette tempête de neige. N'oublie pas ta jauge de visibilité, Artyom. Ne bouge pas trop vite, passe pas dans la lumière, ils auront plus de mal à te repérer. N'allume pas ta lampe de poche, tu pourrais la voir. Artyom, en voilà, ils sont deux. Je vais te couvrir d'en haut. Thank you.
Comment? Comment on est censé la surveiller avec ses mères quand on a 13 armes qui prennent la poussière à la maison? Pas sûr qu'elle prenne la poussière comme ça. Par contre, armée prépare un assaut contre le Reich de Héros. Ils se dégarent pour la ligne de front. Plutôt en sécurité. Si les armes et les générateurs, si les gardes en commun. Pourquoi? Le nord-ouest n'a pas été couvert pendant des jours. Et on entendait des signaux en provenance de l'extérieur. Bien. Bien tenté. Attention, le centre de commandement a subi une attaque ennemie. Les attaquants sont probablement encore dans l'enceinte de la base. Artyom, je change de position. Toute personne étrangère au service doit être abattue immédiatement. Les déplacements du personnel civil sont interdits jusqu'à nouvel ordre. Bien joué, je suis presque arrivé au hangar. La suite est en cours de réactivation. Thank you.